esibi lambo lo kwa dindena lo yanga ndemba na bole bola miye mwenja mnyalando anyaki na momene na bana ba wenge asibi bongo e bato molo itati te wenge didi ya baninga etuna minya kiele jombwena enu nyangwa banaye ande nja kumatanda oni yate topwe bana webobe malinga pe mendeke batono oitika mendo tumulema mama bona songo basitanika luyanga mama lumente jende wia motima kumtankurma oh oh m'a appelé, m'a demandé voilà que tu es là depuis 2 à 3 ans, tu fais des va-et-vient, on ne sait pas ce que tu fais au juste, tu es partout mais nulle part, qu'est-ce que tu veux faire exactement? J'ai gratté un peu ma tête, je lui ai dit je veux faire maquis. Il dit mais après toutes ces années, 16 années en train de payer tes études, à chaque fois qu'il y a un client, il m'appelait Baman, c'est les jeunes du village, Baman, on veut une bière. Donc je sortais de mon trou, je me lavais les mains rapidement. Je venais les servir. Quand je retournais, souvent ce doute pour se moquer de moi, bah m'a mis une cigarette. Et puis il dit voilà les gros étudiants qui ont échoué là. Ils sont dit, allez, une cigarette. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à Monsieur Rodrigue Dieke. Alors bien heureusement, le temps passe et ta persévérance va enfin payer. Mais progressivement, bien sûr. Raconte-nous comment tu t'y prends pour justement agrandir ton maquis qui va peut-être devenir un hôtel après. Quelles sont les idées qui te traversent l'esprit et quelles étaient les difficultés que tu as rencontrées à cette époque? Les difficultés, elles sont énormes. Mais l'élément majeur, c'est le financement. C'est l'argent. Et je pense aussi hein, que si j'avais eu l'argent d'un coup, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Tout à fait. Je ne l'aurais pas utilisé à bon escient. Hein. Mm-hmm. Je suis parti petit à petit. Mm-hmm. J'ai c'est ça l'école de la vie. Voilà, petit à petit. Et j'ai appris à gérer ce que je recevais. Et puis, ça m'a permis de comprendre une chose. Qu'on n'a pas besoin d'argent pour faire de grandes choses. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire de grandes choses. Parce que, à cette époque-là, dans mes opérations d'intermédiaire, de coutage, j'ai permis à certaines personnes d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais malheureusement, aujourd'hui, bon... Ils n'ont pas utilisé cet argent à bon escient. Mais le peu que moi j'ai eu, j'ai su réinvestir. Et je pense que dans ce métier-là, la chose qu'on peut recommander à quelqu'un, c'est d'être au cœur de son activité. Au cœur de son activité. Ça demande beaucoup de sacrifices. Hein? Beaucoup, sûr. Beaucoup. La présence surtout. La présence surtout. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais Rodrigue, pour ce que je sais, tu t'es aussi lancé dans le foncier. Effectivement, je me suis lancé dans le foncier depuis novembre 2009. Et je me suis investi dedans à fond en juin 2010.
2010, après une transaction que j'ai effectuée avec un client, toujours dans le cadre commercial, d'intermédiaire. Donc ça t'a permis d'avoir de l'argent? Oui, ce que j'ai fait de ma commission, j'ai tout de suite racheté d'autres terrains et l'autre partie, je l'ai réinvesti dans mon maquis. D'accord. C'est comme ça que les choses ont... tu vas commencer donc à investir dans ton petit maquis qui deviendra très vite grand d'ailleurs, mais en même temps, tu te tournes vers la culture des VA pour diversifier tes revenus. Comment est-ce que tu as fait pour agrandir tes plantations en même temps que ton hôtel? Ouf. Si vous suivez la logique de mon évolution, je suis parti de l'animation discothèque qui est en relation avec le maquis. Et le maquis, c'est bien, c'est beau, mais dans mon entendement, ça ne garantit pas un avenir. Il faut assurer ses arrières, d'où l'investissement dans le foncier et dans l'agriculture. Donc, mes interventions dans le foncier, c'est plus précisément, j'agis en tant qu'intermédiaire. J'agissais dans le passé, j'agissais en tant qu'intermédiaire. Et les commissions que je recevais, pour certains qui pouvaient me permettre d'acheter des terrains, je les achetais. Et puis, je réinvestissais dans mon maquis, une partie dans mon maquis. Donc, je faisais les trois à la fois. Donc, tu as le maquis, tu as les plantations et tu as aussi le foncier. Mais c'est allé plus vite. Pourquoi? Parce que j'ai su mettre de l'argent où il faut, où il fallait et comment il fallait. Je prenais mes commissions, j'achetais d'autres terrains avec, une partie, je mettais juste les plus petites parties, c'est ça que je mettais dans le maquis. Parce qu'à cette époque-là, la demande, le besoin au niveau du maquis n'était pas élevé. D'accord. Donc pour moi, ce n'était pas vraiment important d'investir autant d'argent alors que le besoin n'était pas présent. Oui, oui. Par contre, je me suis dit, développer. Je développe le côté foncier. Et plantation, parce que chez nous, on dit, la terre ne trahit pas. Donc, j'investis dedans. Si un jour, on touche du bois, que le maquis ne marche plus bien comme je le veux, au moins j'ai mes plantations pour assurer mes arrières et j'ai mes terrains. C'est comme ça que moi, j'ai vu les choses. Alors, pour revenir à ton hôtel, est-ce que tu pouvais penser qu'un jour, la baraque que tu avais au départ, très longtemps avant, serait devenu ce bijou des lagunes, cette perle des lagunes que je vois aujourd'hui? J'ai toujours rêvé de voir mon petit maquis devenir un grand établissement hôtelier. Parce qu'à l'époque, c'était mon objectif. Et tu as grandi, effectivement, ici à l'île Boulay. Oui. Et il n'y avait que des complexes hôteliers autour de toi. C'est ça, c'est ça. Et à cette époque-là, si j'expliquais aux gens que je voulais construire un complexe hôtelier, ils allaient me prendre pour un fou. D'ailleurs, même quand j'ai dit à mon père que je voulais faire un maquis, il m'a pris pour un extraterrestre. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que si à cette époque-là, si j'avais eu un financement énorme, peut-être que je ne serais même pas là. J'aurais dilapidé cet argent, j'aurais fait des choses et qui allaient sombrer le lendemain. Mais j'ai petit à petit grandi. J'ai grandi, je dirais pas sans l'aide de quelqu'un, mais j'ai pas eu de financement. J'ai pas eu de financement. C'est juste vous dire que. Tu fais tout doucement toi-même. Tout doucement. Tout seul. Tout doucement. Avec, tout seul. Avec la réalité que tu avais en face de toi. Oui. Et les moyens de bord. Les moyens de bord. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis permanemment en chantier. Pourquoi? Parce que des choses que j'ai pu réaliser avant, avec les mêmes moyens, maintenant que je suis bien installé, je suis en train de les reprendre. Pas à zéro. Mais je ne regrette pas les avoir fait.
Mais parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas les moyens de bien les faire. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je prends le temps de bien reprendre, de bien faire. Reprendre, voilà. Mais aussi de t'agrandir aussi. C'est ça. Parce que tu ne fais pas que reprendre. Et puis, ma force, c'est l'écoute de mes clients. Je change avec eux. Je leur demande ce dont ils ont besoin. J'estime que la force d'un homme, c'est pas de parler. Mm-hmm. C'est d'écouter. C'est d'écouter. Tout à fait. En écoutant, vous apprenez beaucoup. Beaucoup de choses. Et ça m'a permis d'apprendre. Apprendre beaucoup, beaucoup, mm-hmm. beaucoup. Aujourd'hui, bon, j'en suis là. Bon, je remercie l'Éternel. Alors, au début, quand tu as commencé, tu avais combien de chambres et aujourd'hui, tu en as combien? Bon, au début, j'avais moi-même construit 3 chambres. J'avais moi-même construit 3 chambres et ça, c'était dans les années 2008-2009. Ouais. Aujourd'hui, j'en suis à 14. J'en suis à 14. Et mon objectif, parce que mes programmes sont faits par année. Et chaque année, je me fixe un objectif. J'ai fait mon programme, le plan, les moyens. Et puis je lance. Ce qui fait que, bon, on a l'impression que peut-être qu'il y a un coffre d'argent quelque part. Mais... Alors, vu que tu n'avais pas de financement à proprement dit, raconte-nous un peu, explique-nous un peu comment justement tu as réussi à pouvoir construire ce complexe. C'est simple. Voilà, le chemin, il est simple. Peut-être que beaucoup le savent, mais peut-être que ça échappe. Quand j'ai commencé en 2009, j'ai eu une commission sur une transaction. Mmh. Je suis agent commercial de profession. Oui. J'ai eu une commission sur une transaction. Je l'ai mis de côté. Ma deuxième transaction, c'était en 2010. J'ai acheté un terrain avec. Et l'autre partie, j'ai réinvesti dans mon restaurant, dans mon petit maquis. Le terrain que j'ai acheté, j'ai scindé en deux, j'ai vendu une partie, j'ai gardé une partie jusqu'à aujourd'hui. J'ai gardé les deux tiers jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois que je fais une spéculation sur un terrain, j'achète un autre terrain, je divise en trois. Une partie que je garde, une partie du terrain que je garde physiquement, une autre partie, j'achète un autre terrain, la troisième partie, je réinvestis dans mon restaurant. Donc, au fur et à mesure que les années avancent, le nombre de mes terrains grandissent. Tout à fait. Et puis, la terre chez nous, ça ne trahit pas. Donc, ça prend de la valeur. Donc, le terrain que tu avais vendu il y a 5 ans à 5 millions, aujourd'hui, tu peux vendre à 15 millions. Même 3 fois plus. Oui, c'est ça. 3 fois plus. Donc, du coup... L'évolution entre 2010 et 2013, mm-hmm. j'allais dire, elle est lente, mais de 2013 en 2016, elle est vertigineuse. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que c'est des plus-values. Donc, les montants que je reçois sont élevés, les montants sont élevés. Mm-hmm. Donc, du coup, je peux me permettre, c'est un investissement. Les premières chambres, même si elles n'étaient pas aux normes, effectivement, comme tous les autres complexes qui t'entouraient, mais tu as quand même fait de petites chambres. Mais comment tu as fait pour pouvoir le faire, vu que tu n'avais aucun financement? Je disais dans mon intervention que quand j'avais besoin d'argent, j'allais travailler ailleurs. Mm-hmm. J'allais faire des contrats. Et ma sono aussi, je l'avais toujours. Hein. Mm-hmm. Donc... Le peu que je recevais de à droite à gauche, voilà, de façon parallèle, mm-hmm. j'achetais du ciment. Mm-hmm. À l'époque, je pense que la tonne de ciment était à 50 000 ou 60 000. Mm-hmm. Donc j'achetais du ciment. Et comme je ne pouvais pas conserver ces ciments-là, je faisais des briques avec. Mm-hmm. Pour les conserver. Mm-hmm. Et à un moment, j'en ai fait tellement que mon père me demandait, mais attends, toutes ces briques que tu es en train de construire, là, tu es en train de fabriquer. Et puis, c'est moi-même qui les fabriquais, hein. C'est pas parce que je donnais ça à quelqu'un. D'accord. C'est moi-même qui les fabriquais. J'ai des moules ici. Ah,
Ah, d'accord. Je les fabriquais souvent, je prenais, quand j'avais, j'en avais assez, je prenais la main d'œuvre et puis avec eux, je fabriquais mes propres briques. Et puis, quand j'ai eu le nombre que je voulais, j'ai fait mes premières chambres. Et je ne les ai pas construites une seule fois. Ça n'a pas pris un an. Ça a pris des années, ça a pris je crois 2 ou 3 ans. J'ai monté les murs à un certain niveau. Quand l'argent finissait, il fallait encore travailler aux les petites recettes que me donnait le maquis ou avec mes animations. J'ai monté un peu. Donc à chaque fois, j'ai passé des contrats, des petits contrats avec des gens en échange de matériel. Et c'est comme ça, je me rappelle même, mon premier hôtel, mes premières chambres, les tôles, je les ai eues par le biais de mon église. Parce qu'il y a eu des tôles qui ont été utilisées, les chutes. Je suis allé voir la communauté, parce que je suis de l'église catholique, mais catéchiste de profession dans l'église catholique. Et j'ai été le voir, je lui ai dit, tu es le doyen de la communauté, et moi j'ai une préoccupation. Les tôles qui sont restées là, moi j'ai besoin, mais je vais les payer à 2000 francs le mètre, au lieu de 2500. Mais je n'ai pas l'argent maintenant. Un peu, je vais tout payer. Les tôles faisaient 150 000. Et c'est ainsi que j'ai pu avoir les tôles pour couvrir la maison, les 3 chambres d'hôtel. Sinon, je n'avais pas l'argent. Avoir 100 000 francs d'un coup, c'était pas chose facile. Je me rappelle, le plus gros contrat que j'ai eu en animation, c'était à Sini, c'était un 31. Et tout le village comptait sur moi pour faire le réveillon ici, comme d'ordinaire. Chaque année, j'organisais un réveillon ici. Et cette fois-ci, j'ai dit, mais attends, il y a quelqu'un qui me propose 160 000 pour un réveillon. Donc, si moi j'ouvre mon petit maquis ici, même si je vends du premier, même du 24 jusqu'au premier, c'est pas évident que j'ai cette marge-là. Et puis ça fait trop de boulot. Trop de boulot. Donc je n'ai rien dit à personne. Je n'ai rien dit. Et un matin, il me voit embarquer ma sono. Je lui ai dit comme d'habitude, hein, je vais faire une animation devant là. Il dit, on va aller avec toi. J'ai dit non. Pour le moment là, je vais faire les installations. Mais quand la soirée va commencer là, je vais venir nous appeler. Et c'est comme ça qu'ils m'ont cru. Alors qu'il y avait une bâchée qui était de l'autre côté de l'eau là qui m'attendait pour aller à Sini. Et arrivé là-bas, j'ai fermé mon portable. C'est le premier que je suis arrivé. J'avais mes 560 000 à mon poche. Et les gens, ils étaient énormément, déçus. Énormément fâchés. Oh, yeah. Donc, ce jour-là, même, je me rappelle, je l'ai appelé à boire en hauteur de 10 000 francs. Tous mes meilleurs clients, là, j'ai dit, bon, aujourd'hui, c'est moi qui vous offre à boire. Et le premier, tenez-vous, le premier, j'ai ouvert le maquis. Puis, je l'ai payé à boire. Et ils ont oublié, du coup, ils ont oublié. Donc, c'est comme ça que j'arrivais à acheter le matériel petit à petit. Je les gardais, j'ai acheté petit à petit, pour les garder. Et puis, j'ai fait mon premier hôtel. Tes 3 chambres. Et là, tu as commencé à les mettre en location. Oui, et tu as commencé à avoir un peu de liquidité. Et puis après, avec madame, j'ai ouvert le restaurant. Sinon, avant, c'était juste le maquis. Et puis, j'ai ouvert le restaurant. Et quand j'ai ouvert le restaurant, je me rappelle très bien. Mes premiers clients, c'était, je me rappelle bien d'eux, c'est les enfants de M. Kessé. Franck Kessé, Florent. Okay. Gueye, je profite de cette antenne-là pour leur dire merci et je les rends hommage. Ils ont contribué. Oui, c'était mes premiers clients. Ils sont venus un jour à bateau et ils ont vu le ponton, un truc qui ressemble un peu à un style villageois là. Est-ce que ici c'est un restaurant? Et puis il y a un petit qui était au bord, il dit non. Et là, quand j'ai entendu restaurant, j'ai couru, je suis descendu. J'ai dit, oui monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez? Ah, je demandais si c'était un restaurant. Oui. Et en ce moment-là, tenez-vous, je n'avais même pas une mamie pour cuisiner un poulet. C'est pas possible. Je lui ai dit oui. Il dit, ah bon? Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, on fait du poulet braisé. Il dit, ah bon? C'est combien? J'ai dit, 6 000 le poulet. C'est, il dit, 5 000 le poulet. Avec quoi? On dit, et j'ai dit, ah, c'est avec de la tchéquie. Il dit, bon, on veut 4 poulets. Et là, je suis allé rapidement dans le village. J'ai demandé qui vendait le poulet.
C'est courageux. Je suis passé partout, j'ai récupéré 4 poulets. J'ai fait braiser ça rapidement. Je suis allé dans le village, j'ai cherché de la tiquée et je suis venu leur proposer ça. Ils ont récupéré, quand ils sont partis, j'ai dit, ah bon? Et ils m'ont demandé, est-ce que le soir on peut avoir la même chose? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Eh bien, dis donc. C'est comme ça que j'ai ouvert, j'ai commencé à acheter les ustensiles maintenant pour ouvrir mon restaurant. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission, Rodrigue. Selon toi, quel est ton leitmotiv? Tellement de choses à dire, mais en si peu, je dirais, travaille comme si l'avenir, ton avenir dépendait de toi-même et prie comme si ce même avenir dépendait de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Quel conseil peux-tu donner à tous ces jeunes qui nous regardent et qui s'accrochent à leurs rêves comme toi il y a quelques années? Corinne, ce que je peux dire, rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Aucune découverte ne s'est faite sans passion. Si tu as des rêves, la réalisation des rêves ne dépendra pas du voisin, ni de quelqu'un d'autre. Ça dépendra de toi-même. Si tu t'y mets, je pense que tu atteindras tes objectifs. Une chose est d'avoir un rêve. Une autre, c'est de pouvoir s'investir pour réaliser son rêve. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui croient que devenir quelqu'un passera par un financement extérieur. Non, moi je n'en ai pas reçu. C'est vrai, quelques rares fois, je courais pour aller voir les voisins. Ah, j'ai un problème de 20 000, j'ai un problème de 50 000. Mais avec 50 000, tu ne construis pas un hôtel? Non, pas du tout. Non. Si tu t'y investis, tu pourras. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Moi, je n'ai jamais pris des vacances. Je n'ai pas de jour de repos. Je ne connais pas ça. Je connais une chose, mon travail. Fini. Mmh. Et comme le disent certains, beaucoup d'entre nous, seul le travail paye. Mais oui, on voit justement le résultat de toutes ces années de dur labeur, le résultat de ton acharnement. Et je pense bien qu'à ton sourire, ce n'est pas terminé. Oh, ça ne fait que commencer. Il y a encore beaucoup de choses à... J'ai encore beaucoup de projets, toujours dans le même sens. Déjà, félicitations et un grand bravo pour tout ce que tu as fait. Merci, c'est grâce à vous, grâce à mes clients que je remercie par le biais de votre antenne. Je leur dis beaucoup merci pour leur soutien, leur conseil, parce que c'est grâce à eux que je vis. Sans eux, je ne suis rien. Bien sûr. Alors, pour finir, quels sont tes projets à court, moyen et long terme? À court terme, je dirais, je compte déjà pour l'objectif 2017, c'est atteindre le 20 chambres. Et à moyen terme, j'ai réservé des espaces en bordure du lac. J'ai des terrains que j'ai aménagés déjà. J'ai fait des espaces verts en bordure du lac. Je compte en faire des bungalows privés, toujours dans le même style, mais qui va me donner moins de boulot. Le client qui viendra, il va louer le bungalow, il viendra juste avec sa glacière ou son sac, et il aura tout. Mais sauf que, pour pique-niquer. Voilà, mais sauf qu'il sera en bordure. Oui, dans un endroit paisible. Paisible, retiré du monde. Ceux qui veulent être peut-être un peu plus au calme qu'ici, parce que là, le week-end, il y a les enfants, il y a les cris, il y a tout ça. Là-bas, c'est plus reculé. Voilà. Et j'ai d'ailleurs eu l'honneur de visiter et c'est splendide. Voilà l'objectif à moyen terme. Et puis le long terme, c'est de me reposer dans mes plantations. D'accord. Merci Rodrigue de nous avoir reçus au sein de ton hôtel, à la baie des milliardaires. Merci d'avoir partagé ton histoire avec tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Nous te souhaitons beaucoup de bonheur dans tes projets à venir et encore félicitations pour tout ce que tu as fait. Merci, merci Corinne. C'est un honneur pour nous aussi de vous avoir reçu. C'est un honneur d'avoir la télé comme visiteur. Et je pense que la prochaine fois, quand vous viendrez, ça sera une autre dimension. Je vous remercie. Tout à fait. Mesdames et messieurs, quant à nous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de vie
dans votre émission Leitmotiv.